On devrait pas se dépêcher de quitter cet endroit. Inutile de se faire remarquer. On sort d'ici tranquillement, on trouve Nevgalus et on arrête Solas. Si c'était aussi simple, Varric, trouver Nevgalus. Tu penses toujours pouvoir le raisonner avant qu'il entame son grand rituel ? Ce rituel va déchirer le voile, autrement dit la seule chose qui nous sépare de l'immatériel et de son infinité de démons. Il faut que je le convainque. Varric est convaincu qu'il peut sauver Solas, mais ça m'a l'air mal engagé. Ah, les gardes Tevintit, ils rigolent pas. J'ai rien fait de mal, moi. Attention. On nous cherche ? C'est à cause du bar ? Les nouvelles vont vite, Aminrati. On doit l'aider. On n'a pas vraiment le temps de se faire arrêter, en particulier ici. Ah, c'est moderne chez eux, au niveau magie, waouh. C'est la merde, là. Oh, merde. Oui, en effet. Le rituel a commencé. Mais si on se dépêche, on peut encore arrêter Solas avant qu'il termine. Allons-y. Ouais, allons-y. Allez, Aldric, on y va. Harding est par là. Elle va nous guider jusqu'à la place du Mat, puis elle nous mènera jusqu'à Solas. Attention. J'arrive. Calmez-vous! Je pense plutôt que le voile faiblit et qu'il se faufile à travers les fissures. Ah, c'est la merde, Solas! Oh. Alors le monde entier va beaucoup ressembler à... ça? Ceci. J'ai pas fort envie! Les démons ont changé, hein. Même eux, ils ont l'air beaucoup plus balèzes. Ça va nous permettre d'atteindre Harding. J'arrive. Et l'éclaireuse Harding est de nouveau dans la bande, c'est super chouette. Vous êtes en sécurité. Entrez et bloquez les portes au plus vite, d'accord? Merci, madame. Harding, tout va bien? J'ai fait ce que je pouvais pour aider. Le rituel doit affaiblir le voile. Tout le monde est terrorisé dehors. Et il y a beaucoup de démons. Ça fait un bail que j'en ai pas vu autant venir de l'immatériel. Quel enfer! Et vous deux, comment ça va? Parfaitement bien, ouais. Un peu fébrile. On doit faire vite. Ouais, on va bien. On a combattu des démons et le palais de l'Archonte nous a un peu tiré dessus. On s'est débrouillé. Parle pour toi. T'as mes affaires? Juste ici. Où est Nevgalus? Elle vous a posé un lapin? Les Venatori l'ont trouvé avant nous. Ils l'ont capturé, et ils ont payé la patronne du bar pour son silence. Ça me surprend pas que notre détective ait fait quelque chose pour emmerder un culte d'abominables mages du sang. Mais le moment était mal choisi. D'après la patronne du bar, les Venatori ont emmené Nev place du Mat. Tu peux nous y conduire, Harding? Pas de problème. J'ai vu la place du Mat en explorant la zone, et ça grouillait de Venatori. Suivez-moi. Elle est devenue super jolie, hein, Harding, je trouve. On a de la compagnie. Allez, c'est parti. Premier combat, j'imagine. J'ai pas de bouclier. C'est un peu la merde, ça, non? Bon, après, j'ai une épée, ça va. Effectuer une attaque légère. Si je me souviens bien, verrouillé, c'était... oh, faut du timing, c'est beau. Alors, ce combat, c'est de l'action, hein. Ce n'est plus comme avant, hein. C'est plus du Dragon Age Origins, à ce niveau-là. Ah, je me suis trompé de touche. Je suis stupide. Oh, mais... bon. Allez, dégagez. Je crois que c'était le dernier. Ouais. Bien. Allons retrouver Nev à la place du Mat. Alors, on a 3 potions. Ah, elles sont limitées. Prenez-vous si vous avez besoin. Je comprends pas. Si Solas déchire le voile, tout sera anéanti, non? Solas parlait toujours de la beauté de l'ancien empire elfique. Ce monde existait avant le voile. Et il veut le restaurer. Même si pour ça, il doit tuer tout le monde avec son rituel. C'est terrible. Je vais juste voir si je peux sauvegarder. Ouais, je peux sauvegarder, parfait. On peut sauvegarder comme on veut, c'est parfait. Bon, allons-y. Je découvre le jeu, hein, donc...
un peu de... C'est quoi tous ces rats? Oh, ils m'ont fait peur, ces cons! Oh, ils m'ont fait peur, cette bande d'abrutis. Ah non, ça c'est ça. Ah ouais, j'ai un marteau à la place. Ok, on va continuer. Oh la vache. Ah, c'est un capitaine templier qui parle, ok. Non, je crois que c'est la place du mat. Merde, restons pas là. Oula. Ouais, casse. À l'attaque. Bon, les démons se barrent, ok. Des cultistes Venatori. Ah, faut un beau timing, hein. Je suis pas doué pour ça. Bon, vas-y, Harding, casse-leur la gueule. Pendant que... Bah, je leur casse la gueule aussi, tout simplement. Alors, les Venatori ont érigé une barrière. Détruisez les cristaux à proximité pour... Ok. Voilà, merci. Sympa, ces cultistes, hein. Ouais, j'avoue. Ils ont fait un sale coup aux gardes des ombres il y a quelques années. Beaucoup de victimes. Ouais, j'y étais. Oh, pas mal. Oui, bah l'anomalie, elle va pas se barrer comme ça. On entre dans une nouvelle zone, ok. Ah, y a de quoi prendre ici. C'est de l'or, très bien. Et on tombe par ici. Hop. Bon, ça, c'est une glissade normale, ça me va. Elle fait pas peur comme sur Fallen Order. Ça marche. Les alliés de Neve Gallus, tuez-les. Oula, le coup de pied viroulant, c'était violent. Ah, hop, je me suis trompé de touche. Encore une fois, j'appuie toujours sur A en fait. Oh zut, bon sang. Cassez-vous. Coup de pied virulent, merci. Le temps de la vengeance a sonné. À l'attaque. Bon, ça c'est fait. Il y a une autre barrière. Mais on dirait le travail de Neve, pas celui des Venatori. Ah oui? Est-ce qu'on peut casser cette jarre ici? Ok, ça me donne une potion, c'est très bien. C'est quoi cette espèce de... Ah, attendez, on va sauvegarder parce que je le sens pas, votre affaire. On va sauvegarder ici. Hop, oui, voilà. Neve? Madame Neve? Est-ce que ça va? Ah ouais, d'accord. Elle a gelé tout le monde. Varric, Harding, vous tombez à pic. Neve, que c'est bon de te revoir. On pensait que les Venatori t'avaient enlevé. C'est ce qu'ils pensaient aussi. Ah ouais, elle a gelé carrément tout le monde. Des raisons de me détester. Alors j'ai joué le jeu, pour voir qui voulait régler ses comptes cette fois-ci. Et puis le ciel s'est chargé de démons. Alors me voilà. Excellent. Quel enfer! Rook, voici Neve Gallus, notre experte locale. Elle va nous aider à trouver solace. Neve, voici Rook. On l'a rencontré il y a quelque temps. Il est doué pour gérer les pépins. Rook, comme le monin pour une tour? Oui, l'une des pièces les plus fortes sur l'échiquier, mais qui ne sait qu'aller droit au but. Merci, j'imagine! D'accord, c'est... Donc c'est bien un nom de code, en fait. Enfin, je crois. Un petit surnom. Tu t'es sauvée toute seule, on dirait. Beau travail avec les Venatori. On a besoin d'informations. J'aime pas trop le masque parce que ça fait genre sarcastique. Ouais, on va dire la une. On pensait devoir sauver quelqu'un, mais t'avais une longueur d'avance. Me sauver? C'est touchant. Tu disais avoir une piste? J'ai pas vu Solas en personne, mais... Il y a des traces d'ancienne magie, semblables à celles qu'on trouve dans les ruines elfiques. C'est qu'il est pas loin alors, du coup. J'ai réussi à le retrouver dans un bâtiment sous Notre-Dame de la Victoire. C'est là que se cache votre homme. Alors allons-y, avant que son rituel n'aggrave encore plus les choses. Comment ça? Son rituel dégage déjà plus de puissance qu'une douzaine de mages réunis. Tu me disais qu'il agissait seul. Et je t'ai aussi précisé qu'il était un ancien dieu elfique. Un dieu elfique? Bon. Qui que ce soit, il cause du désordre dans ma ville. En route.
J'aime bien le capitaine templier qui essaye de mettre l'ordre dans la ville, mais qui ça marche pas. Comme si ça allait aider. Les démons, ils rentrent où ils veulent. Hein. Enfin bref. Donc, si on attrape Solas, le loup implacable. Enfin, le nom qu'il a en ce moment. C'est quoi le plan? Ouais, c'est quoi le cherche plan? Cherche à détruire le voile. Espérons que ce rituel demandera toute son attention. Donc on lui tombe dessus pendant le rituel pour l'empêcher de se défendre. C'est l'idée. Si on doit l'affronter de face, on ne survivra pas. Oh, c'est la merde, nom de Dieu. Bon, attendez, on va... Oh, on est ravis. Punaise, il m'a fait peur, ce crétin. Y a rien par ici. Alors les démons, si vous pouviez ne pas casser la planche, hein, ce serait très sympa. Merci. On peut glisser le long de cette corde pour traverser. On peut utiliser une tireuse. Trop vieux pour ces conneries. Ah ouais. Mais t'as bien vieilli, ceci dit, Varric, je trouve. Contrairement à Matisse, hein. Mais Matisse, j'ai pas trop le choix sur le coup. On dirait que les Venatori l'ont trouvé aussi, et qu'ensuite les démons les ont trouvés. Ouais. Alors on va passer par ici, on repassera par là. Faut aller par là, mais j'aimerais fouiller un peu l'endroit. On va prendre une potion et on va récupérer une autre potion. Hop. Alors c'est par là qu'on doit aller, mais alors attaque à distance, appuyez sur A pour lancer votre... Ah, un lancer de bouclier, c'est pas mal. Alors. Oh, mais ça suffit. Ok. La barre bleue, c'est la barrière magique. Ah, dégage. Merci pour le gel. Oh, c'est pratique, ça, pour enlever la barrière. Coup de pied virulent. Merci. Merci, Neve. Parfait. Bon. On a sauvegardé, on peut y aller. La cachette du loup implacable. L'une d'entre elles, au moins. J'ignore combien de temps il est resté ici. Certains trucs ont l'air super vieux. Cela, c'est là depuis plus longtemps que Minrati elle-même. Sérieux? Bon, après, si c'est vraiment le dieu elfique, je sais plus son nom, c'est... J'hésite entre Fenarel et Fenris. Mais bon, je comprends. Ces peintures sont effrayantes, je trouve. Ouais, ça, c'est terrifiant. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Inspecter. Des chaînes brisées. Solas libérait des esclaves. Solas déteste l'esclavage. L'un des seuls points sur lequel on s'accorde. Il a dit que les autres dieux elfiques étaient des tyrans qui opprimaient son peuple. Qu'il voulait l'aider. Ouais, donc les dieux elfiques, c'était des... Que les elfes vénèrent depuis Origins, c'était des connards, en fait. D'après Solas, en tout cas, du moins. D'après Solas, mais je sais pas qui croire, pour le coup. Qu'est-ce que tu vois? Pas de traces de Solas. Juste une grande fenêtre brillante. Enfin, un miroir. Ou un truc comme ça. Ça sent Luviane pas bon. Bon, attendez, on va passer par là. Il y a pas mal de fresques elfiques ici. On dirait qu'ils emprisonnent un monstre. D'anciens elfes qui font quelque chose à... Ah, c'est un dragon. On dirait un dragon. Ouais, peut-être pour le contrôler. Solas disait que les autres dieux elfiques étaient néfastes. S'ils asservissaient les dragons, il avait au moins raison sur ce point. D'accord, c'est plutôt inquiétant tout ça. Oula. Encore des démons. Tiens, prends-toi ça à la figure. C'est verrouillé. Oh, il doit y avoir un moyen de l'ouvrir. Jetons un œil autour. Autour, ok. L'air est saturé de magie. Solas a utilisé beaucoup de puissance pour quelque chose. Okay. Solas, le loup implacable, Fenarel. Fenarel. Non. Moi, je l'ai toujours appelé Loustic. Loustic. Ok, faut monter là, mais je sais pas trop comment on fait. Ah, par ici, peut-être. Mais donc, c'était bien Fenarel, ok. Le nom du loup. Le dieu loup implacable. J'avais lu un codex dessus, sur Origins. Beau travail. Voyons ce qu'il y a de l'autre côté.
On donnait vraiment l'impression que c'était lui le mauvais dans l'histoire elfique, mais en fait, je pensais pas que les autres dieux étaient des connards, en fait. Après, il y a peut-être plus de précision dans le DLC d'Inquisition, mais ça, tant pis, hein. Je verrai ça plus tard. Ah, il y a un coffre ici. On l'ouvre. De l'or et... il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Très bien. Ouvrons cette porte. De l'eau. Ah ouais, c'est de l'eau. C'est ça la grande fenêtre brillante que t'as vue tout à l'heure, Rook? Ça s'appelle un éluvian. Ils sont elfiques et très anciens. Ils fonctionnent comme une c'est ça, c'est un éluvian. D'un endroit à un autre. Cela se les utilise pour se déplacer rapidement. Il a dû s'échapper par là. Bah on va traverser, hein. On va essayer du moins. Où est-ce qu'on est? Bon, dans une forêt. Plus à Milrati. Ah, on est plus je dans la ville. Les arbres. On est dans la forêt d'Arlatan. Ah ouais? Et nous voilà au rituel. Toute cette puissance déployée. J'ai jamais rien vu de tel. Mais quel enfer! La terre tremble de plus en plus. Oh, arrêtez de nous envoyer. Attention, des démons. Plein de démons comme ça. Wow. Allez, c'est parti. Ah, ça, c'est l'armure. Ok. Oh, mais. Protège. Vraiment un bon timing, hein. Je l'ai pas, hein. Coup de pied virulent, merci, au revoir. Au moins, il y a un truc que j'apprécie. Il y avait un grave problème de démons à Minrati. Les matériels sont dans un sale état, si près du rituel. Waouh, c'est beau. Impossible de dire ce qui peut passer. C'est beau, mais c'est inquiétant. C'est moi ou les tremblements empirent, là? Ah si, ils empirent. Bah oui, mais c'est devant moi, Varric, t'en as de bonne, toi. Donc ça, c'est fait. Alors, oui, j'allais dire que c'est bien parce que la montée de level est lente. Ça, j'apprécie beaucoup. C'est pas un RPG où... un RPG, normalement, le niveau 2, ça se mérite. Allez, attaque. Oula, j'ai cru que ça venait d'un démon, mais en fait, c'était Harding et... et Varric qui cassait la gueule au démon, tout simplement. La terre tremble dès qu'un de ces gros cristaux s'illumine sur le site du rituel. Il en reste plus beaucoup à allumer. Faudrait se dépêcher. Oui, dépêchons-nous. Solas, on vient t'arrêter. On te demande de t'arrêter cordialement. On y est presque. Disais... ah, j'ai d'autres capacités. Bon, attendez, je sauvegarde parce que là, c'est vraiment la grosse misère. Hein. On va pas se mentir à ce niveau-là. D'ailleurs, je vais appeler ça... c'est... Je vais avoir au moins une sauvegarde qui s'appelle... c'est la merle. Voilà. Au moins, les choses sont claires à ce niveau-là.